Tous, ici c'est Landron, désolé pour le démarrage un peu pourri, il y a eu un petit problème au niveau du micro. On va peut-être close, on va juste. Non, eh oh. Non, baisser le son du jeu, normalement ça devrait être un peu mieux, même si je trouve ça quand même assez fort. Voilà, donc on est parti, normalement ça devrait aller. Je dois tout avoir. Salut Quick Gaming, j'ai un petit peu galéré au début du live pour l'installation, tout ça. J'ai essayé de faire une petite image pour le début, on va dire. Et sauf que je me suis planté lors de la capture audio. Ça ne capturait pas, et du coup il a fallu que j'arrête le stream pour le relancer. Enfin, c'était compliqué. C'est pas très grave. Bon, ben, allons-y, on va jouer. On va faire une nouvelle partie. Caractère, bon. On en a plein et je sais pas trop quoi prendre. The Soulless Automaton. Not a picky eater. Charged by lightning, damaged by water. Can upgrade with gears. Ça peut être pas mal, jamais essayé. Ça peut être pas mal. On va prendre ça. Gh. Donner 500$, pas de fake. Alors, il va falloir éviter de me parler sur. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui va me parler sur le Steam parce que ça va être embêtant. Comment ça, à donner 500$? Il n'y a pas de tips mis sur Stream Tip. Ok, d'accord. Alors. Bah non, caractère c'est déjà fait. Le monde. Default, default plus. Light out. Non, peut-être pas. Peut-être pas mettre un light out, ça serait trop abusé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? On va laisser comme ça, au pire. Et on va démarrer. C'est parti. J'espère que le son n'est pas trop fort. Insulting Game Theory. J'espère vraiment que le son n'est pas trop fort. Pour moi, c'était un petit peu fort. Alors, Maxwell, say pal, don't look so good. Better find something to eat before night comes. Alors, jamais joué avec ce perso. J'ai jamais joué avec ce perso. Alors, on va prendre. D'accord. Ça m'a l'air d'être assez spécial. Bon. Excuse-moi, c'était pour le troll pour le début. Ouais, joli troll. Enfin, 500$ de dons. J'aurais trouvé ça un peu abusé. J'ai déjà vu ça sur certains streams, mais c'était des streams avec des. Enfin, des streameuses, pour être précis. Avec des décolletés profonds. Voilà, j'ai déjà vu ça, mais c'était un peu abusé. Laisse un peu le son du jeu. Alors, oui, bah, en fait, je suis au minimum. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux? En fait, j'étais pas au minimum. D'ailleurs, mieux pour moi. Alors, du coup. Dites-moi si c'est mieux. On va se faire une hache. La base. Se prendre des bûches pour le feu. Demande à Maï, hein? Ok. Je comprends pas. Enfin, c'est pas grave. Tu étais attiré, petit cochon. En fait, je regardais des streams de Diablo 3 et puis je suis tombé fasciné devant ce stream d'une qualité, on va dire, un peu douteuse, même si bon, le mien est sans doute bien pire. Une qualité douteuse, mais des gens qui arrêtaient pas de baver dans le chat. J'ai tendance à pas parler donc sur les chats. Donc, moi, j'étais pas très présent, mais c'était assez incroyable. Les sujets de discussion n'étaient pas forcément d'une grande subtilité. Alors,
prendre du flint, c'est toujours bien. La map, elle dit quoi? Faut vraiment que j'ai un deuxième écran parce que c'est assez désagréable de jouer en fenêtré et sur un seul écran, et sur un demi-écran, on va dire. C'est un peu la galère. Alors, je suis au bout du monde. Le cachet graphique du jeu, quand même, est juste génial. Alors, on va descendre. Ouais, on va descendre. Il y a l'air d'avoir des ruches. Alors, on va continuer de prendre des ressources. Histoire qu'on n'ait pas à en chercher tout le temps. Hey, ça descend super vite la bouffe ou quoi? Il n'était pas censé ne pas manger? Ouais, bon, la sanity, ça va. Mon plus gros problème quand je joue à Don't Starve, c'est la sanity. J'arrive pas à la gérer. Viens là, le papillon. He will destroy you. Bon, c'est pas grave. Ah, t'es ça en ville, papillon. Alors, Amaï donne des milliers d'euros à des streamers depuis 2 ans et d'autres que français. Et depuis 2 semaines, il a dû donner 200 000 euros à Aikilu, Liberty Gamingo, Bibix, etc. 200 000 euros, c'est pas un peu abusé, tu penses pas? Ça fait quand même beaucoup, 200 000 euros. Hein. Ça fait le début d'une maison, quand même. Warning, Nike approaching. Je sais. Après, c'est vrai qu'il y a des donateurs un peu fous. Hein. Mais 200 000 euros, c'est quand même beaucoup. Surtout un stream qui te rapporte. Ou un glouglou. En plus, il fait vraiment glouglou quoi. Attends, il a disparu déjà? C'est tout nul. Ok. Pas 200 000 euros à chacun, oui, mais 200 000 euros et ne serait-ce que en tout, c'est énorme. Faut avoir vraiment un sacré budget hein, pour pouvoir donner 200 000 euros. Si tu considères que le mec est au SMIC, à la base, ça fait quand même beaucoup. Non, je te jure, il a donné 70 000 euros à Liberto Gamingo. Wow. Ça fait quand même beaucoup. J'irai me renseigner quand même parce que ça m'a un peu l'air d'être un fake. Ah, il vit au Qatar, il est millionnaire. Ok, je comprends. D'accord, j'ai rien dit. Je savais pas qui c'était donc. Sinon, tu vas bien? Eh bien, oui, ça va. Je me suis coupé les cheveux et je n'ai presque plus un poil sur le crâne. Non, quand même pas. Mais j'ai bien perdu de masse capillaire, on va dire. Tourne un peu en rond. Pour l'instant, je trouve pas de cailloux, ce qui m'embête un peu, parce que j'aimerais bien faire une science machine. Bon, c'est pas grave, je vais continuer de récupérer des trucs. Il y a genre 190 millions d'euros en banque, ce qui paraît. Oui, bon, c'est sûr que quand on a 190 millions d'euros, 200 000 euros, ça va. C'est pas excessif non plus. Ça fait un gros don pour quelqu'un, quoi. Si c'est vrai, j'ai vu des fois des dons assez effrayants. MDR. Ouais. J'adore les arbres qui grandissent dans ce jeu. C'est assez n'importe quoi. Tiens, si on mettait un peu de musique. J'ai toujours pas changé la playlist, faudrait que je la fasse un peu mieux. Toujours la même, c'est du Xenoblade Chronicle. Je l'adore tellement en même temps. Ah là là. La nuit va bientôt tomber. La nuit tombe surtout. La nuit tombe, c'est pas la nuit va bientôt tomber, c'est la nuit tombe. Voilà, donc on va faire cuire tout ce foutoir. Et j'ai déjà plus rien, mon estomac est déjà vide. S'il faut que je cherche tout le temps ma nourriture, ça va être galère. Alors. Voilà, donc là on a plein de nourriture. Je
Actuelle réserve, l'eau, bah, ça va, on est en plein été, ça devrait aller. 190 millions, pas 190 000. Oui, j'ai dû dire 190 000, mais bon, je pensais 190 millions, on va pas non plus chercher, pas chercher trop loin. Survival, qu'est-ce que je peux faire? Une trap, ça me sert pas à grand chose, en tout cas, je sais pas trop m'en servir. Grassroot, non. Ah, ça restaure pas mal, c'est plutôt cool. Crunch crunch. Pick up grass. On va rester près du campfire. Où est-ce que je vais aller, Noah? Le truc, c'est que ça descend bien. Alors, on va peut-être descendre. Je vais finir d'en faire le tour, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant, genre le bâton highball. Je sais plus comment il s'appelle. Highbone, ouais, c'est ça. Highbone pour faire invoquer Chester. Ah, il y a un wormhole. Il y a un wormhole. On va peut-être pas le prendre, mais ça pourrait être sympa. Donc là, il y a l'air d'avoir une ruche. Il y a une ruche. Donc ça va. Je vais peut-être faire un truc. Je vais juste régler. Voilà, OBS pour descendre un peu le son. Le son par rapport à celui que je produis avec ma voix. J'espère que c'est pas trop mal. Pas hésiter à me le dire dans le chat s'il y a des problèmes de son, hein. Histoire que je puisse réguler tout ça. Toujours récolter des trucs. Par contre, tu peux pas vocal. Et ben non, je vais éviter vocal vu la qualité de mon internet. Là, j'ai réglé les problèmes. Du coup, j'ai 0,0, j'ai 0,44% de drop. C'est-à-dire, j'ai perdu 94 images depuis le début du live. Alors que au dernier live, c'était genre plutôt 40%. Donc 10 fois plus. Non, bah non, pas 10 fois plus, 100 fois plus. Donc, on va éviter. Je vais peut-être essayer avec un ami que je connais IRL pour le prochain ou l'après-prochain live. On va voir. En fait, cette semaine-là, ça va être test. Pour mes prochaines vacances, enfin, test pour préparer mes prochaines vacances, où bien évidemment je referai des lives vu que ça a l'air de bien aller au niveau des retours. Du coup, je suis plutôt content. Comme je suis plutôt content, normalement on va remettre ça. Par contre, ça m'énerve vraiment de rien trouver de spécial. Ah, si. Il y a un deuxième wormhole. Je suppose que. Non, merde! C'est pas ça que je voulais faire, parce qu'évidemment, ça ramène en haut et ça me fait perdre la sanity. Allez, go! C'était évident que c'était lui, sauf que ça fait perdre en sanity, 15 en sanity, quoi. Absolument énorme. Voilà, évidemment, on voit apparaître des petits trucs. Et je sais pas comment remonter. Comment remonter ma sanity. Oh là, petit bug. Des cailloux qui se sont imbriqués. Donc j'ai de l'or, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. On a du flint, on a des cailloux. It is smarter than most human. Énorme. Alors, du coup, avec la sanity qui est hyper basse, c'est pas cool. Alors, on va attendre la nuit. Je vais récolter des ressources pour pouvoir créer une machine. Une machine. Zut, comment ça s'appelle? Une science machine. Et trouver des nouvelles ressources. Et trouver des nouveaux objets, genre un sac. Il faudrait que je fasse un sac, c'est la base. On va. Ah, il n'y a plus rien déjà. Oula, il y a un tall bird. On se méfie parce que les tall birds, c'est un peu la galère. Voilà, j'ai quelques petits sauts d'internet. Oula, c'est quoi ce nid de tall bird? Je sais pas si vous avez vu, c'était assez incroyable. Oula, il y a l'air d'avoir des sauts d'internet. C'est très bizarre. Peut-être parce que ma famille se connecte. Ce qui est toujours un peu embêtant. Pour ta psychiatrie,
Fabrique un collier de fleurs avec 10 fleurs, un truc comme ça. Ah, c'est bête, j'ai laissé la forêt derrière moi, quoi. On va essayer de trouver des fleurs, du coup. Red mushroom. Ah non! Ah, ça c'était méchant, quoi. Le troll. Là, il y a des gold nuggets. Il y a un cimetière. Le cimetière, c'est sympa, il y a toujours de l'or. Et si je me fais des tombes, on peut récupérer des trucs. Ah oui, mais par contre, ça me fait baisser mon... ma sanity. Alors, récupérer des cailloux, c'est toujours bien de récupérer des cailloux. Alors... il faudrait des fleurs. Ah, si vraiment on est en manque de fleurs, on fera demi-tour et on retournera là-bas. C'est vrai que je suis pas dans une forêt à fleurs. Voire pas du tout dans une forêt à fleurs. Rien de très intéressant. On va peut-être remonter. Parce que là, on va peut-être remonter. Si faire un collier à fleurs, ça pourrait me sauver, on va le faire. Mais dans ce cas-là, on va remonter chercher des fleurs. Il y a des cailloux partout. Il y a un mec qui s'est amusé à foutre des cailloux partout. Genre un truc qui sert à rien. Mais ça a dû l'éclater. Alors là, faut vraiment se méfier parce qu'il y a un gros nid de tall bird, quoi. On va juste revoir un peu. Il était par là? Bon, alors là on est dans la zone où on sait qu'il y a des... voilà, il y a des fleurs. On va récupérer des fleurs. Ah oui, d'accord, ça fait remonter la... ah, ça donne plus 5 en sanity. Ah, c'est assez génial ça. Ça je savais pas. Ramasser des fleurs, ça remonte la sanity. Bon. Ça peut nous sauver la vie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il fait nuit. Tu laves que sur ce jeu ou pas? Juste comme ça pour savoir. Et demain c'est quoi le programme? Alors je sais pas, parce que étant donné que j'ai commencé tard, parce que j'ai pas pu faire autrement, j'ai mangé assez tard pour des raisons familiales, je ne sais pas si je vais faire que du live sur ce jeu. Je suis censé finir à 22h parce que sinon après mes frangins, je vais gêner ma famille parce que le lendemain il y a cours quand même pour eux, il y a cours et boulot. Du coup, je pense que je vais pas live trop tard, en tout cas pas plus d'un de 2 heures, donc j'arrête dans environ 1 heure. On va faire la séance machine. Et donc, je pense que ce soir, ça risque d'être que du live sur ce jeu. Mais il est... je sais pas trop du coup. Si j'avais prévu du Mountain Blade pour demain, du Mountain Blade, je vais m'y tenir parce que j'ai vraiment envie de faire du Mountain Blade. Je me suis un peu remis d'ailleurs. Donc, du coup, non, demain c'est Mountain Blade. Mais aujourd'hui, je vais pas changer de jeu. Normalement, à moins de vraiment quelque chose de spécial, je vais pas en changer. Alors, Gardland, d'accord, c'est ça. Il en faut 6 encore. Il m'en faut 6, sachant qu'il faut que je fasse des trucs assez intelligents, genre ça. On va faire le prototype, histoire de l'avoir. C'est plutôt pas mal. On va faire les bases des cordes et de la stone, histoire de pouvoir débloquer pas mal de choses sympas. Genre spear, hein, c'est toujours bien ça au cas où s'il faut se défendre. Et le hammer, on peut pas faire de hammer. Le rasoir on s'en fiche, pitchfork on s'en fiche, le hammer, et il faut 2 de cordes. On va faire le hammer, ça c'est la base. Ah mais du coup je l'ai utilisé la corde. En grand intelligent que je suis, je l'ai utilisé. Dans ce cas là on va se le faire. Voilà. Donc par contre aujourd'hui ça veut dire récolte de ressources parce que j'en ai claqué un bon paquet. Nourriture ça va, mais là c'est récolte de ressources, récolte de...
Ah, je suis passé à 100 en fleurs. Enfin, on va garder des fleurs en stock. Comme ça, on va être tranquille. On va être tranquille pour faire un chapeau si la sanité elle descend. Il va me falloir vraiment des ressources. Oula, ah ok, excuse, j'ai bug. Ouais. Normalement, j'ai pas eu de drop. Là, je suis toujours à 0,60%, donc ça va très bien. Donc les règles, en fait, il fallait que je règle le la qualité de upload et la vite et la, les fourchettes d'envoi au niveau du bitrate. C'est un peu compliqué, mais en gros, j'envoyais sur une plus large plage de vitesse que ce que je pouvais faire. Donc du coup, ça oscillait en permanence. Du coup, ça faisait n'importe quoi. Mais voilà. Donc là, j'ai bien tout remis en place. Normalement, c'est de la bonne cam. Maintenant, c'est bien. Alors, on va récupérer encore des fleurs, hein, comme ça, on sera très très large. Donc alors, qu'est-ce qu'il va me falloir? Parce que du coup, à la limite, les pancones, on va les jeter. Ça me sert à rien, ça me prend de la place dans l'inventaire, pas grand chose. On va monter à 20 fleurs. 20 fleurs, waouh, c'est génial. On va monter à 20 fleurs. Voilà. Encore récupérer 2-3 trucs. Parce que je me rends compte que j'ai pas beaucoup de twigs. Et j'ai pas non plus énormément de cut grass. Attends, je reviens. Oui, mais t'inquiète pas, hein, le live il va pas s'en aller. Hein. À moins que je plante, que je freeze, que j'explose, que mon PC explose, normalement ça devrait aller. Alors, on sait que là il y a un pont là. Donc, on va essayer de descendre. On va essayer de descendre. On va récupérer tout le toute la science machine. Elle est où d'ailleurs? Où est ma science machine? Elle est plus bas. On va chercher la science machine en récupérant un peu de grass, toujours intéressant. Ah zut, pas fini. Voilà. D'ailleurs, OBS donne quoi? Ouais, c'est bon. Juste, je regarde un petit peu la qualité de la sortie vidéo. J'ai pas tout à fait vérifié, donc voilà. On va hammeriser tout ça, voilà. Cette fois-ci, je t'ai eu le mushroom. Je t'ai eu. La dernière fois, il m'avait troll. Mais là, ça devrait aller. Ah zut, c'était pas la bonne. Ouais, c'est à sa droite. Donc là, on a tout un stuff de prêt. D'ailleurs, on va garder sa spear équipée. Comme ça, au moins, on est prêt. Au cas où, s'il y a un problème, on peut réagir. Là, elle est pleine, c'est bien pour l'herbe. Parce qu'on a quand même besoin de quantités assez pharaoniques de ces matières premières. Donc on sait où trouver de la pierre, déjà. Ça, c'est pas un problème. Et pour les autres matières premières, c'est un peu plus compliqué. Fais les réserves là-haut. Ouais, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Il va falloir que je mange. J'ai aussi un peu faim IRL. J'ai mangé en 4ème vitesse. Du coup, là, j'ai un peu faim. Alors là, il y a de la zone à cailloux. Toute petite. Là, il y a des abeilles. Ça s'entend. Les armes défoncées. Alors, la ressource toujours importante, la ressource. Ah
Ah oui, du coup là. Là, je vais avoir un petit problème. Parce que c'est 40. Ouais. On va pas non plus abuser. On va en garder que 40 maximum. Parce que sinon, ça va faire un peu beaucoup. Faut vraiment construire un endroit sympa pour la. Pour s'installer. On va aller par là. Là, c'est une zone potentiellement à fleurs. Parce que du coup, maintenant que je sais que les fleurs, ça remonte la sanity, ça va être assez différent. Je devrais arrêter de crever à cause de ma sanity. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Ya, il fait nuit. Comme fire. Alors. Un cook. Voilà. Un cook tout ça. Au fait, j'ai affiché l'affichage des tips. Ou pas, j'utiliserai peut-être, du coup j'aurais à savoir et si tu et nous le verrions. Alors j'ai essayé de configurer stream type alerteur, mais oula, ça avait fait planter. Mais je sais pas, tout ce que je sais c'est que normalement ça va faire un son de chaton. Ce qui est totalement what the fuck. Ça va faire un son de chaton, par contre je sais pas du tout comment faire pour le... pour faire un affichage visuel. J'en sais absolument rien. Faudra que je le regarde un peu mieux. Voilà. Cook ce champignon. D'accord, je suis dans la caca parce que là ça m'a piqué mon estomac. Voilà, bouffe. On va manger ça. Voilà. Donc non, je sais absolument pas. Voilà, hop, on va remonter la sanity. Je sais absolument pas comment comment configurer, donc pour l'instant, je peux pas te dire. Tiens, d'ailleurs, du coup, j'ai caché l'affichage pour moi du... Tiens, je l'ai eu, là, le Red Mushroom, ou il s'est... Non, il a l'air de s'être caché au mauvais moment. Ah, le petit salaud. Alors oui, j'ai pris... En fait, j'avais aucune idée de quel son ça, le stream type pouvait émettre. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas des chatons. Je sais que sur mon live préféré, sur Crane Live, Enfin non, les tips, ça fait un bruit de dindon. Du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas des chatons. C'est complètement con, mais pourquoi pas des chatons. Hop, on va dropper ça parce que ça ne verra rien. Berry Bush. Peut-être que je retourne sur la route. C'est quoi ça? Ah, Evil Flower. Totally. Ok, je te laisserai regarder pour le Prince Live alors. Je verrai avec My Mother pour te faire un don de 2 milliards d'euros. Ça devrait pas lui poser de problème. Non, je pense pas. Et du coup, j'en fais quoi de cet arbre? Est-ce que je peux le couper? Je sais pas du tout ce que ça va faire, je sens que je vais crever, mais royalement. Oula, eagle. Et il est super dur. Living log. Even worse than a Norman log. Ouais, et à quoi ça sert? Je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ça sert, je sais pas tout non plus à quoi sert les Dark Metal. Ah si, par contre, je sais que les crapauds ça fait très très mal. On va sécuriser une spear. Parce que ça, je sais que ça fait mal. Là, il y a encore des Evil Flowers. Ouais, il y a un Totally Normal Tree aussi. Bon, on va dire qu'on sait où il est, parce que je suppose que ça doit servir à quelque chose. De toute façon, c'est marqué sur la carte. On va suivre les routes. Les routes, c'est toujours bien. Aha! Basic Farm.
Hey, ça c'est bien comme endroit. C'est quoi ça? Metal Potato Thing. Ça c'est assez génial comme endroit. C'est assez génial. On va peut-être essayer ici. Du coup, t'as pas trop pris la prononce en anglais Supreme. Surprise. Ah, surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Oh, j'ai un accent anglais tout pourri. Vous avez pu le constater. Faut que je prenne des tri... enfin, des seedlings. On va essayer de planter un peu. Toc. Go faster, plant. Vous n'avez pas des tree seedings là, s'il vous plaît? Ah oui, par contre, s'il y a ça, ça va pas être sympa. Ouais, il faut que j'attaque ça. Voilà. J'ai pris quelques dégâts, mais au moins je suis prêt. Alors là, par contre, j'ai un petit problème, c'est que je suis full. Mais complètement. D'accord, ça baisse la sanity de manger des Dark Petal. C'est vrai que c'est un peu craignos quand même. Ok, j'ai eu des Frog Blade. Ah oui, d'accord, mais si du coup il m'attaque aussi, ça va être embêtant. On va se tirer de là, on va se tirer de là, il y a un wormhole. Ça va, ça passe. Après, tu aurais un centime. C'est pas énorme, un centime. Enfin, on peut aller loin avec. Nightmare Fuel. Et qui que c'est ce truc? Il y a des trucs que je connais absolument pas. Debugging Residue. Ah, attendez, on va manger les Frog Legs. Here lies some guys blablabla. Lies. Je suis pas sûr que lies soit véritablement le mot normalement, mais. Lies, pour ceux qui savent pas, ça veut dire mentir. Sauf que du coup, dire qu'un mec ment sur une tombe, c'est un peu bizarre. C'est pas très sympa pour le mec qui est mort, quoi. Alors, je vois absolument rien sur cet écran. Je vais tourner et baisser ma lampe. Voilà, histoire de voir un peu mieux. Si tu as un 15ème d'Amalabar. Ouais, c'est pas énorme un 15ème d'Amalabar. Je préférais le Malabar entier en fait. Non, peut-être. Si j'ai failli creuser. Oui, ma spear. Voilà. Un truc, c'est que j'ai énormément de choses. Je sais pas ce que c'est, Metal Potato Thing. D'accord, là il y a du monde. On se méfie. Ah ah, là il y a des. D'accord. Et je crois qu'il faut lui donner à bouffer lui, non? Ah, t'es pas sympa, hein, Eo. Tu peux lui donner. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Oh là là. Je sais pas ce qu'on peut lui donner en fait. Je sais pas du tout. Donc on sait qu'il y a un village de d'hommes cochons ici. Ah oui, c'est vrai, les hommes cochons, ils ont plein de. Ah oui, mais genre là. On va faire une séance machine. C'est totalement pas normal ça. Ça genre c'est totalement pas normal, on va cook. Bah ça fera 10 euros pour que je te donne 15 centimes. Pas de l'arnaque. Ouais, lol. Non, en fait, ScreenTip il prend très peu, d'après ce que je sais. C'est surtout PayPal qui prend beaucoup. Enfin, c'est comme tout, hein. Forcément, dès qu'on passe par internet, comme on passe par des sociétés tierces, toujours une grosse galère. Faut lui donner de la viande, je crois. Ouais, au King Machin, vous voyez. Je crois qu'il faut lui donner de la viande aussi, sauf que j'en ai pas.
Alors, à se faire une silence machine. À voir à quoi tout ce satané foutoir me sert. Genre les... Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il y a l'air d'avoir énormément de choses. Il y a des trucs, je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors la deuxième séance... D'accord, il faudrait des Nightmare Fuel encore. Et des Gears. Coucou, comment vas-tu? Il faudrait des Nightmare Fuel et des Gears. Attends, me dis pas que ça fait mal. Ah si, ça fait mal. C'est pas très sympa ça. Ça c'est pas, c'est genre pas sympa du tout même. Est-ce qu'il y a pas... Non, ça me sert à rien. Ah, stay cool and dry. Ça, attends, t'es sérieux? C'est censé dire, me mettre au sec. Sauf que si je suis pas au sec, ça va pas le faire. Ça sert à rien en fait comme ça. Je cherche à savoir à quoi sert Metal Potato Thing and Living Log. Je suppose que ça doit servir à quelque chose. Alors Nanchemi Engine, je peux pas encore le faire. Gunpowder. On peut faire la Gunpowder. Lightning Rod. C'est pas mal aussi. On peut faire ces trucs. Est-ce que ça sert pas à genre un... Non, ça sert pas genre par là. Après, est-ce que l'Alchemy Engine ne débloque pas de nouveaux trucs? La grande question. On va prendre des trucs. Par contre, il est fort possible que j'ai besoin de me soigner assez rapidement. On va récupérer la science machine. On va l'améliorer. J'ai quand même, je prends quand même super cher quoi. Où est ma spear? Allez. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc ça se finit par là le chemin, on va aller voir ailleurs. Si on y est. Ouh! Ah, it died, classic human mistake. C'est sympa comme truc, tiens. D'accord, on peut pas combiner les deux. Dommage. Pour les tips, il faut que tu mettes carte bancaire parce que sinon, bah, tu pourrais rien avoir. Ça dépend quel type tu prends. Hein. Je crois que c'est la... J'ai pas tout à fait fini de tout configurer, donc... Mais normalement je suis actif hein. Normalement le truc actif il doit être bon. Bon après je verrai pour le prochain live. D'accord, c'était pas pour moi les... Les petits machins là. De toute façon tout ça c'est des aléas. Des lives. Ah bah tiens de la viande. Non t'es sérieux? Non non tu me la laisses la viande. On va aller... T'es sérieux là? Il faut de la viande classique, mais est-ce que tu accepterais les cuisses et grenouilles à la limite? Bon, par contre, la pluie peut arrêter, non? Non, c'est pas envisageable ça. Je suis obligé de manger pour pas grand chose. Ah ah, là, une red gem, sauf que j'ai peu de place. Bon, ça on va drop parce que ça me sert à... Ah, ça y est, il pleut plus. Bonne nouvelle. Alors du coup, on va équiper la spear et on va attaquer la grenouille. Et je sais pas où le mettre. J'ai trop de trucs.
On va courir comme ça avec la grenouille dans les mains. La nuit approche déjà. On va lui donner. T'en veux pas? Pourquoi je bug dès que tu vas me répondre? Non, oh, mange. Du coup, tu m'as répondu quoi pour les tips? Bah je sais pas, je m'en encore trop... Non, j'ai pas encore tout configuré en fait. Enfin, je pensais avoir tout configuré, mais il semblerait que non. Du coup, on va voir pour le prochain stream, je vais essayer de régler tout ça. Normalement, ça devrait se faire. Là. Ça devrait se faire assez facilement. Du coup, je vais aller où? Je vais aller par là, je vais aller plutôt par en bas. On verra pour le prochain stream. J'ai genre plus de place dans mon inventaire. Et il me faudrait du bois en plus. Il me faudrait du bois. On va péter des outils parce que là j'ai plein d'outils qui me servent pas à grand chose. J'ai deux pelles qui me servent à rien d'avoir deux pelles. Oh putain de merde! Ça c'était pas sympa genre. C'était genre pas sympa du tout. On se tire. Ah, je tombe très rarement sur ce genre de monstre, mais alors là... C'était pas très sympa. Allez, il faut que je pète... une de mes haches. Il faudrait que je fasse pareil avec une de mes pelles. Ce truc là ça me sert à rien. Ok, j'ai encore bug mais j'ai vaguement entendu que tu essaies de donner chaque truc de ton inventaire au gros port. STP, c'est le cas de le dire. Oui, c'est vrai, c'est un gros port, effectivement. Ouais, faudrait que j'essaye de donner chaque truc, mais je suppose que c'est de la bouffe. Et j'ai plus de hache. Et il fait nuit. Et vite un feu de camp. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à faire cuire? Non, j'ai rien. Du coup, ça va devenir replante des arbres pour éviter ce problème. Tu veux dire le problème de plus avoir de bois? Oh, mais là, il y a plein d'arbres, donc là, je suis tranquille. Par contre, on va peut-être se faire un... Voilà, on va se faire ça. Le chapeau, ça sert à rien. Ça change rien, ça changera absolument rien. Ça change rien, en fait, il faut récolter des fleurs pour que ça... Pour que ça remonte. Et c'est genre pas facile. Donc là on va revenir. Où est-ce que je pourrais aller? Là-bas j'avais planté des trucs, on va voir ce que ça a donné. C'est quand même vachement dangereux ce genre d'endroit. Non, 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 tu vas les garder, tu vas les laisser. Bon ok, d'accord. Je commence à être vraiment bas. Go faster, plant. À quoi sert la living log? J'aimerais bien savoir à quoi sert la mécanique potato machin là. J'aimerais bien savoir aussi. On va essayer d'aller voir ailleurs. Il faut des fleurs en fait. Si je veux pas finir crevé, voilà, ça c'est bien. Et du coup, ça doit se manger en fait. Ou ça doit servir à quelque chose vu que c'est vert. Ah d'accord, je commence à devenir tellement fou que je vois des rabbits noirs.
Non, le monstre des bois vient que si tu pètes trop de forêt sans replanter. Bah avec William et les autres persos, il fleur marche. Bon, c'est peut-être parce que c'est un robot qui est totalement insensible. D'accord, en fait le monstre il vient que si je coupe trop d'arbres. Bon, c'est pas très grave étant donné qu'il m'a pas suivi. C'est pas comme les Tollbeurs qui nous suivent sur 20 km. Yeah, c'est vrai que j'ai trop de trucs. Mange. J'ai un gros problème de capacité d'équipement. Du coup, ce qu'il me faudrait, c'est Chester. Ouh, des buffalo. Ah, oula. Oula, ça c'est génial. D'accord, j'ai fait tout le tour. C'était pas forcément le plus intelligent parce que je l'ai pas fait dans le bon sens. Où il y a un coffre. Où il y a un coffre. Mes amis. Fire staff. Oh mon dieu. Ashes, gunpowder, log. Déjà, log. Log 1, 0. Hein? Qui nous parle? Alors, là, on va essayer de faire ça intelligemment. Virer ça. Ça sert à rien. Prendre. Bon, c'était peut-être la fire staff qu'il fallait faire en premier. À quoi sert la fire staff, je vous le demande. Je suppose que ça sert à foutre le feu. Je sais pas pour ton perso, ça se mange pas, c'est juste que ça pourrit, je crois. Effectivement, je viens de voir, il y a une petite jauge qui est en train de descendre. Et avec quoi je vais l'échanger en fait? La nitre, parce que la nitre, je sais que ça se retrouve assez facilement. Et la gunpowder. Oh là là, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. On va virer la pelle, vous savez quoi? Ça sert à rien cette pelle. Par contre, on a de la laine et des os. Ça, par contre, ça pourrait être génial. Je suppose que ça sert à plein de trucs. Sauf que je peux pas le prendre parce que, évidemment, pas assez d'espace. Le gros problème de Don't Starve, l'espace. On va virer la queue de stone, hein, au pire on s'en servira plus tard. Et oh! J'arrive pas à passer. Ah zut, il y avait encore. Encore d'autres trucs. Je sais pas, j'ai joué 4 minutes en solo et 2 tiers du. Et 2 tiers en multi. Je suppose 2 tiers du Dresd ou. 2-3 heures plutôt en multi. Ouais, sauf que j'ai pas encore le multi. J'ai pas voulu acheter le multi à 20 euros, sachant qu'il va être gratuit pour ceux qui ont le jeu de base. Voilà, donc j'ai pas voulu. Méga étendue prairie, c'est les grandes plaines de l'Ouest. Des grandes plaines de l'Ouest. Ouais, c'est loin. Je sais pas trop quoi faire. 2-3 heures. Ouais, d'accord, c'était bien 2-3 heures. On va arriver au 7e jour. Je sais fichtrement pas quoi faire. Je sais, petit coquin. Ouais. Juste que j'ai pas envie de mettre 20 euros dans un jeu où je sais que j'aurai pas grand monde pour jouer avec pour l'instant. Et que le multi est pas encore très stable. Sachant que j'aurai gratuitement à la fin et que j'ai pas non plus un budget limité. Je pensais que c'était plutôt raisonnable. Ma mère a eu les deux à 10 euros qu'elle avait déjà le. Ah, c'était ma soeur. A eu les deux à 10 euros car elle est déjà le jeu solo. Oui, j'ai vu qu'il y avait cette copie là aussi. Déjà que le jeu en fait je l'ai pas payé gratuitement, c'était un pote qui me l'a offert lors du premier jour d'apparition de la version bêta. C'était pour mon anniversaire. Il a acheté le jeu et puis il m'a offert une seconde copie qu'il avait gagnée. Enfin, qu'il avait gagné. Qu'il avait donc récupéré.
D'ailleurs, je l'ai beaucoup remercié pour ça et je le remercie encore parce que c'est quand même un jeu très sympa. Même si là, je suis clairement en train de paumer, c'est quoi ce truc quoi? Je crois que je suis jamais allé aussi loin dans Monster dans le sens distance. Là, je suis super loin. Oui! Je suis vraiment très très loin. C'est pas forcément à mon avantage d'ailleurs. Il y a des trucs à araignées. Alors, peut-être que je rezoome du coup. Ah zut, il fait nuit. J'arrive pas à trouver un bon endroit pour m'installer. D'habitude, j'en trouve assez facilement, mais alors là, panne sèche. Bien sûr, on équipait la Fire Staff. Light. Est-ce que ça va foutre le feu? Je suppose. MDR, moi j'ai acheté 3 jeux moi-même, Arma 3, XCOM et Hammerwatch. Wouhou, j'ai foutu le feu! Ah, ça prend 5%! Ah oui, on va peut-être équiper autre chose. Ça va faire des cendres, je suppose. Oula, je suis un petit peu loin de la lumière. Je sais pas du tout où m'installer en fait. Où est-ce que je peux aller prochainement? On sait qu'il y a une grande zone prairie. On sait pas trop ce qu'il y a au milieu. On va voir ici aussi. I win. Good. Oh là là. Cet humour me laisse pantois. Le pyromane, ouais c'est ça, le pyromane complètement. C'est génial de foutre le feu à plein de trucs. Même si IRL, j'aime pas trop me servir du feu. Je le trouve assez fascinant, mais j'aime pas trop m'en servir. Mais du coup, je me fais assez plaisir en jeu des fois. Tiens, on dirait que ça remonte. Est-ce que c'est parce que je porte un collier de fleurs sur la tête? Si c'est le cas, ok, c'est pas mal. D'accord, j'ai plus assez de place. On va miner un coup. Alors la nitre j'en ai pas. Il me faudrait vraiment un endroit où je peux caser des tonnes de trucs. Parce que là je suis un petit peu bloqué. Par contre pour ton let's play, comme tout le monde le sait maintenant que tu as mis la rediff sur YouTube. Oh je suis con. Je suis d'une violence con. C'est pas très grave, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé. C'est pas grave, au pire, de toute façon, je comptais le dire dans le prochain 15 du mois, sachant que le 15 du mois, c'est dans pas très longtemps. Voilà. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Je suis violemment idiot. Ouais. J'ai beau le chercher dans tous les sens, je suis très très con. Le nitre sert à quoi au fait? Je sais pas du tout. Mais alors, franchement, franchement pas. Hé hey, ça c'est cool ça. On va aller chercher l'éléphant rose. Donc c'est par là. Alors, on est parti à la recherche de l'éléphant rose. Toujours par là. Je l'ai trouvé une fois. Je l'ai trouvé une fois, après, est-ce que je vais retomber dessus? Juste prendre la carotte avant d'aller là-bas. Nyeh! Sauf que là, du coup, je vais avoir un problème. Parce que j'ai plus de place. Encore. Garder les carottes, parce que les carottes, c'est bien.
sait qu'il trace là-bas, voilà. Oui, tu es con, je sais, je confirme. Le nitre sert à quoi? Bah, je t'ai répondu, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Il est là! C'est vrai, c'était le. Quoi éléphant? Le quoi éléphant? Le quoi éléphant? Quoi éléphant? Coucou! Comment vas-tu? Non, mais t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas. Mais reviens là! La poursuite du quoi éléphant. On peut pas envoyer des boules de feu? Non! Possesse ample énergie réserve. Tu m'étonnes, il est énorme. Reviens là, le quoi éléphant. Le quoi éléphant? Je sais pas. Bon, bon, allez, hop. On se barre. J'ai trouvé le quoi éléphant. C'est très bien, j'ai fini ma journée. Dis quelle heure? Il est 21h30 déjà. Dire que dans 1 heure j'arrête, mais c'est assez rare que je tienne aussi longtemps. Ah, ok, j'ai bug à ce moment. C'est pas grave. Ah, enfin! Enfin, bah du coup, je le mets où? Chester, mon ami, tu es là. Non, je vais. Chester. Ah, enfin! Du coup, on va pouvoir mettre des trucs qui servent à rien. Ça, ça. 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 Et ça. Alléluia. On est pas libre, mais déjà un peu mieux. Maintenant, ce qu'il faudrait que je trouve, c'est la porte qui donne accès aux différents mondes. Ou alors un trou dans le sol aussi. Pour être sympa. Là, je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui se passe? XD, le mec a trouvé un éléphant rose et il quitte le live et il revient plus. C'est ça! J'ai fini ma journée, je me barre. Reviens là, le lapin! Le lapin à cornes. Reviens là. Bon, on va te laisser tranquille peut-être. C'est vrai que j'étais un peu sorti de ton chez toi. Ça, le mec il a fini sa journée, il revient plus, il a trouvé son éléphant rose, son starve. Fini, point. Il coupe le live. Alors. Chester qui nous suit, c'est toujours bien. C'est quand même ultra pratique, Chester. Alors, normalement, la porte est pas trop loin du point de spawn, sachant qu'on a spawné environ par là. Il y a de fortes chances qu'elle soit soit en bas, soit par là. Je dis normalement, la porte elle se trouve pas loin du point de spawn. Donc, bon. La normalité avec moi, ça fait quand même 45. Hein, 44 avec la normalité et 1 pour moi. Tu es pas un peu blasé qui est que moi? Non, pas franchement. On me dit 173, c'est plutôt cool que déjà il y ait une personne qui vienne. Non. Après, on est en semaine, c'est pas les vacances. Ça serait des vacances de tout le monde. Oui, je serais un peu blasé. Et en même temps, je stream pas non plus des jeux que tout le monde regarde. Je ferai des jeux un peu plus vus. Ça irait peut-être beaucoup mieux. Mais c'est pas mon objectif, hein. Mon objectif, c'est de me faire plaisir aussi un peu. Donc voilà. Je suis pas forcément blasé qu'il y ait que toi, Quick Gaming. Il suffit que t'en parles à des amis ou des trucs comme ça, hein. Tu postes sur Facebook. Je pense que tu seras plus tout seul. Alors. Alors. Qu'est-ce que je peux faire? Absolument rien. Et je vais bientôt perdre toutes mes carottes. Voilà.
C'est sûr, mais bon, oui, c'est sûr, effectivement. Ça serait bien plus cool s'il y avait bien plus de monde. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a plein de gens qui sont sur le live, mais qu'il n'y a personne qui parle. Allez, je trouve ça super long, ces attentes. Te faire plaisir, comme tu dis, c'est la base, mais voilà. Quand je serai plus tout seul. Ouais. Peut-être qu'un jour tu seras plus tout seul. Ouais, pour ça il faudrait que je stream sur des jeux un peu plus regardés. Enfin, je pense qu'il suffit que je fasse du Hearthstone ou des trucs comme ça. Il y a moyen, ou du Minecraft un peu plus longtemps. Il y a moyen que ça soit un peu plus regardé. Mais comme c'est pas mon objectif principal de faire plein de vues. Voilà. Jour 8. Pas mal, jour 8. Je sais plus combien c'était mon record. Comme il y a eu quand même pas mal d'updates, tout ça. Je crois que mon record est un peu obsolète, on va dire. Alors, nous sommes deux à ce que je vois. Ah bah tu vois, j'ai un peu plus de monde. Sachant que moi j'ai pas le, je ne regarde pas mon propre live, ça serait complètement con, ça tuerait ma connexion. Non bah il doit y avoir une deuxième personne qui regarde. Que je remercie aussi d'être passé aussi sur ce stream. Il y en a beaucoup hein, des streams sur Twitch, qu'ils soient à 1, 2, 3 gugus, voire même 0. Mais c'est pas pour ça que les mecs ils arrêtent. Hein. Quel record? Comment ça, quel record? J'ai dit mon record? Je me souviens même plus. Ça, c'est les aléas de la mémoire immédiate. 4 secondes de mémoire immédiate pour être précis. Environ. Hein. Alors, en moyenne, c'est 4 secondes de mémoire immédiate pour un homme. Du coup, j'ai déjà complètement oublié de ce que j'ai dit. Après, on a une autre mémoire, celle qui nous permet de tenir des conversations, évidemment. Mais quand on parle tout seul, elle est beaucoup moins efficace. Et là, techniquement, je parle tout seul. Donc, du coup, c'est un peu moins, ça marche un peu moins. Toujours à la recherche de trucs sympas, de trucs qui sortent de l'ordinaire, sauf qu'il n'y a absolument rien qui est très casse-couille. Et je vais bientôt perdre mes carottes. Non, restez avec moi mes carottes. Parce que là j'ai 12. Ah, 13, 14 carottes. Ah ah! Un truc qui sort de l'ordinaire. La position du squelette est assez étrange quand même. Je sais pas, tu vas dire record, mais alors de quoi? Mais je sais pas. Je sais pas du tout. Un record de je sais pas quoi. J'ai dû dire le mot record et je me souviens pas. Ce qui est quand même très très grave. Tiens, viens la Chester, on va mettre des trucs. Ah non, il n'y a plus de place. Bon, bah, tu peux retourner faire ta vie. Où est-ce que je suis? Je suis là. Ah la vache, c'est une partie mais vide quoi. Y a rien. Techniquement, comme te dire, je peux parler avec toi. Oui, mais non. On va pas essayer, c'est un truc pour casser le stream. Voilà. On essayera peut-être un prochain, mais là, je suis pas prêt. Enfin, je suis pas prêt. J'ai rien de prévu, j'ai rien. Ça servirait pas à grand-chose. Du coup, ce sera pour une prochaine fois. Plein de Tallbird. Je piquerais bien un œuf de Tallbird, mais. Ils sont combien? D'accord. J'aurais peut-être pas dû faire ça.
J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ne jamais énerver un Tolberve. Voilà. Ceci, on va aller au nord. Oui, mais non, ce sont des paliers de gameplay. Quoi? Je regarde plus la télé, donc peut-être que je vois pas la référence. Demain alors. Demain peut-être j'ai dit Mounted Blade. Ouais. On verra dans quel état d'esprit je serai, si j'arrive en retard ou ce genre de choses. Comment je vais faire ça? Parce qu'il faut que je trouve un team speak, il faut que je trouve un mumble, il faut que je trouve beaucoup de choses. Et je peux pas faire ça. Du but en blanc. Prendre une pioche. Oh oh, des gold nuggets. Caillou. Quand je suis full en flint. Il y a des bruits bizarres. J'entends des bruits comme ça, on cassait des trucs. Référence de pub. Oui, je m'en doute bien, et pas de vidéo play. Si tu sors ça comme ça, c'est que. Il y a une référence avec une pub, sauf que. Je la vois pas forcément. Alors j'entends. J'entends de plus en plus fort un bruit. À ma droite. Maintenant, il est à gauche. Gauche. Droite. Alors j'entends un truc. Qu'est-ce que c'est? Something is coming. Tu joues à Clash of Clans? Non. Something is coming. Je m'en doute bien, mais qu'est-ce que c'est? J'ai peur. J'ai vraiment très très peur. D'accord, c'était toi. T'es en train de me faire genre super mal. Ok, d'accord, il m'a eu. C'était donc ça qui arrivait. Et c'était pas très sympa. C'était pas très sympa du tout. Bon. Ok. Voilà, je me suis fait défoncer. Mais genre violemment. Mode. Ce screecher. Total quoi. Je vois du tout. Bon. On va peut-être essayer du coup, il reste combien? Un quart d'heure? On va réessayer, on va changer de caractère, on va faire random. On va faire random et on va faire un truc genre default plus en light out. On va faire ça. On va faire ça, on va faire un truc juste pour un petit quart d'heure. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça donne. C'est pas don't look so good. You better find something to hit before night comes. Alors du coup, en fait, ça veut dire que c'est toujours la nuit. Ça va être très drôle. Du coup, je sais pas du tout comment je vais gérer ma bouffe. En fait, comment on peut faire ce genre de partie?
comment on peut faire, parce que là. Ce qu'il faudrait, c'est ça. Sauf qu'on voit rien, quoi. Ah, il faut faire une torche. Faire une torche, faut trouver des trucs. On va explorer à mort. Hein. On va explorer à mort. Je sais pas comment ça va se jouer ce truc. Parce que là, on voit rien. Dès qu'on enlève la torche, on peut plus rien faire. Je sais. On va suivre cette route jusqu'à la fin de la torche, c'est-à-dire dans encore 65%. Et ensuite, on verra bien. Ça se passe quoi là? Pourquoi j'ai du gel tout autour? Qu'il fait froid. J'ai bientôt plus de torches. Ringfing, qu'est-ce que c'est? Examine. Rings that could focus dimensional energy. Je sais pas, là il a l'air de faire froid aussi. Oups. Je ne veux pas mourir. Je suis fait eu. Ok. C'était très bizarre comme preset. C'était très très bizarre. On va voir. Non, c'était pas ça. Dernière partie. Juste un petit truc avant la fin, il reste 10 minutes. Long winter, short both. Il reste 10 minutes. On va essayer. Default. Ok, land branch, c'est quoi? Il y a plein de trucs à modifier, quoi. C'est quoi ça? Il y a des trucs bizarres quand même. Hein. Vraiment des tonnes de trucs bizarres. Tallbird, c'est quoi ça? Wow, c'est quoi ce fuck? Un fuck écossais? Non, c'est pas un fuck, c'est un morse avec des trucs comme ça. Les levels servent à quoi dans le jeu? Ça sert à gagner des persos. Regarde. Do you want to discard the scene? Yes. Il faut. Tu fais caractère. En fait, ceux qui sont grisés là, ils sont débloquables par niveau. Il suffit juste de tenir le plus longtemps possible pour gagner le niveau. Ah oui. On va essayer avec un perso random. On va faire un random rapidement. On va faire un défaut le plus. On va start. Farming Winston Baird. Bird. Voilà, bird. Ah bah tu. Je spawn quand même à côté de chest. De chest. Par contre, j'ai un œuf de Tallbird, ce qui est pas forcément la meilleure idée du siècle. Et quoi là-dedans? Gunpowder blueprint. L'ours, comme tu le dis, c'est le monstre arbre. Ah ok, merci. Ouais, j'ai vu qu'il y avait le monstre arbre. Pourquoi il me file autant de trucs en fait? C'est juste parce qu'on peut pas. Faudrait que je fasse mon backpack. Oui, mon backpack. Il nous file autant de trucs, pourquoi? Parce que là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de trucs.
Je me demande bien pourquoi. What? Ça, j'avais encore jamais vu. On va se tirer de là, hein. YOLO! Ah oui, d'accord, je crois, je commence à comprendre pourquoi c'est la version improved du jeu. Parce qu'il y a genre masse bestiole quoi. Masse saloperie. Ouais, vraiment trop de trucs quoi. Ils sont bizarres. Pathetic tree drops, not babies. Hein? Qu'est-ce qui nous sort le truc? C'est vraiment bizarre. En tout cas, je crois que je commence à comprendre pourquoi. C'est la version améliorée. Il y a l'air d'avoir vraiment des bestioles partout. Y a rien. C'est soit y a rien, soit y a des bestioles partout. Ça a pas l'air d'être compliqué. C'est niveau ressources, tu peux aller te faire voir. Et plein de bestioles pour te tuer. Là là. Bon. On arrive un peu à la fin du live et moi je commence à fatiguer sur ce jeu. Du coup, je pense qu'on va arrêter en mode suicide. On va se suicider. T'as jamais vu de truc d'araignée? Pas à 3 étages. J'en avais vu à 2, mais à 3 étages. 3 étages, j'étais quand même un peu abusé. Alors, où est-ce qu'on pourrait se suicider correctement? C'est quoi ça? Puffy Vest? D'accord. Les aventuriers qui ont pris très très cher. Elle est longue cette route. Et même très très longue. Home time. Énorme. J'ai une idée. On n'a pas de marteau. J'aurais bien détruit le. Les carottes. Ah, MDR, j'avais mal compris. Oui, bah, ça arrive. Où est-ce qu'on pourrait gentiment se suicider? Oula! Voilà, ça y est, je me suis gentiment suicidé. Et voilà, bon bah c'est la fin. Je pense qu'on va arrêter là ce live. Bon, c'était sympa, c'était très sympa. Bon, là on était un petit peu moins que. Un petit peu. On était moitié moins étant donné que la dernière fois on était. Il y avait deux personnes sur le chat et il n'y en avait plus qu'une. Bon, c'est pas très grave. Je me suis quand même fait plaisir. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant qu'il y ait un peu moins de monde, mais c'est pas grave. Tu pourrais faire un Let's Play Banished. Oui, c'est prévu. J'y ai d'ailleurs rejoué il n'y a pas très longtemps dans cette prévision. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je me suis quand même bien fait plaisir sur ce live. Bon, c'est vrai que faire 1h20 de Don't Starve au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu lourd. Du coup, c'est plutôt bien d'arrêter vers 22h là, pour moi. Et voilà. Donc, prochain live, c'est-à-dire demain soir à 20h, c'est du Mountain Blade. Mountain Blade Warband, peut-être Fire and Sword. Je pense plutôt du Warband, plutôt que. Parce que Fire and Sword. Il est 56, oui, bon. 21h56. Presque 22h. Fire and Sword est quand même très compliqué, donc on verra. On verra, on verra. Normalement 20h. Après, peut-être que ce soir, je vais peut-être être en retard. On verra bien, on verra bien. En tout cas. C'est la fin.
Je sais pas trop comment conclure en fait. Je sais pas trop comment conclure, si ce n'est que je me suis bien fait plaisir et j'espère que vous aussi, tous ceux qui ont regardé, ceux qui ont pas regardé, ceux qui sont là, ceux qui sont pas là. Enfin voilà. Ok, et ben je vous dis à plus pour un prochain live et de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, salut à tous!